Moi, c'est Alvi Foku, ex-footballeur professionnel et enfant d'Essos, fondateur et président de l'association Essos United et président fondateur de Essos United FC. Aujourd'hui, nous avons un match amical qui est un match d'évaluation pour les gamins. Ça fait pratiquement 3 mois que le projet est mis sur pied et nous sommes dans la continuité de mettre sur pied un groupe qui va compétir en division 4. C'est notre première année. Et je suis déjà satisfait de ce que je peux voir, ça progresse bien, les enfants ça avance, ils essaient d'intégrer la philosophie de jeu qu'on a voulu, on adapte pour qu'ils puissent progresser le maximum possible. L'autre jour j'ai laissé Ege jouer 60 minutes, non. J'ai mis un enfant qu'on ne croyait pas. Et cet enfant est entré, ce que Yenga a fait, n'a pas pu faire en 60 minutes, il a fait ça en 5-10 minutes. Ça veut dire qu'on peut jouer son match même en 2 minutes, même en 1 minute. Il y a des gens qui sont sortis, hommes de maths ici, tonnerre diamant. Il a joué 15 minutes de sortie, Djapa. Il est sorti l'homme du match. C'est un autre homme même celui. Il est sorti un gars de sauce. Sorti l'homme du match. Il a fait une action de passe de but. Il est devenu l'homme du match. Je peux garder celui-là qui ne donne pas un résultat sciemment, lui donne le temps pour le montrer. Son niveau. Que ton niveau c'est là, ce n'est pas, il n'y a pas autre chose, il n'y a rien que tu as gardé là, c'est là ton niveau. Cet enfant que vous dites, il a barré, il a des photos, demandez-lui quand vous êtes avec, prenez de l'expérience, il va souvent vous aider, il n'est pas orgueilleux. Tous ceux qui sont là avec vous ne sont pas orgueilleux, c'est pour vous aimer, pour vous amener, pour vous frotter à eux. Pour savoir que non, quand on est en première division, ce n'est pas une magie, c'est le travail. Nous on peut vous enlever avant même la fin du championnat, on vous fait jouer en première division et ça va se passer. Ceux qui vont bien se comporter, avant de sortir, on va positionner les gens pour avoir ce genre d'expérience-là. Donc, il faut croire à ce qu'on fait. Il faut croire au projet. Et j'ai dit la star, c'est Essos. La star du club, c'est Essos. D'accord, je dirais à tous les jeunes aujourd'hui qui nous regardent et qui souhaitent rejoindre la structure que les portes sont ouvertes à tous les enfants d'ici et d'ailleurs. Ce n'est pas un projet uniquement pour les enfants d'Essos, c'est un projet pour les enfants du Cameroun et de l'Afrique. Et le petit conseil que je vais donner aux jeunes qui rêvent, qui aspirent à jouer professionnel, c'est déjà donner le meilleur de soi quand vous choisissez un chemin. Soyez disciplinés et travaillez et le reste suivra. Essos United is an associative caritative movement that's been put together to help our community. So I'm inviting all of you, friends, sisters and brothers, wherever you are, feel free to join us. Pour tous ceux-là qui souhaitent avoir plus d'infos, nous avons notre lien Facebook United Essos et le lien Facebook de l'Académie, Essos United Football Academy. Et nous avons aussi un lien YouTube, Essos United. Sur YouTube, vous allez sur YouTube, vous frappez juste Essos United et vous pouvez nous retrouver et suivre tout ce que nous faisons.